sur YouTube. Petite vidéo de deck profile pour le rapport du national. J'ai fait top 32. J'ai gagné Playmate et puis les sleeves. Et j'ai fait ça avec Evolzor. J'ai fait 6 victoires et une défaite. Contre les Allemands, contre aussi les Valaisons, etc. Il y a eu quelques Français qui ont sûrement fait top. Et sinon, j'ai affronté du Trap Tricks, des Sierra de Mur et puis plein d'autres decks du méta. Mais j'ai tous défoncé. Alors, pour la vidéo de deck profile. Alors, je joue un blaster, 3 Serato, 3 Diplo, 3 Vulcano, et Genero, je joue la Gosusho, 3 Najasho, 2 Westlow. Pourquoi 2 Westlow? Parce qu'en fait, pourquoi 2 Westlow? Parce qu'avec ça, j'ai déjà fait suffisamment de tutos pour l'avoir déjà en main. Je joue 3 mini-contrôleurs, 3 diversités, 3 force EO, lance interdite, Book of Moon, 2 pots de dualité. C'est pour les magies, donc en monstre j'en joue 17, en magie j'en joue 13, et en piège j'en joue 10. Avertissement divin, 2 compétences, corne du paradis, 3 trapstone et 3 singularité. Alors j'ai vraiment aimé ce deck parce que je joue depuis 2 ans et puis c'est vraiment un deck super contrôle. C'est à dire, on a eu les Evolteal, après on a eu les Evolzor, ils vont taper, ils vont gagner beaucoup d'effets. Et ensuite on a eu les Evolzor et puis après c'est quasiment la game puisqu'il n'y a quasiment rien à faire. Alors, et puis un extra ingénieur, cowboy, dragon gaillard, 3 Dolka. 3 Adja, soldat, Lévière, Maestroc, numéro 101. C'est le mien! Et 2 rois des étoiles sauvages. Et puis ça, c'est Side Deck, 15 cartes. 2 Didi Croix, Fissure, 2 Nobleman, 2 Typhon, Soul Drain, joue 2 Charges ADN. 2 Gozan, un fait du vent et mieux absorbe une lumière. Alors ça c'était contre Sylvan et tous les decks qui ont des attributs différents. Ça c'est contre un deck 1 de Jirja. Deck qui joue beaucoup de trap. Ça c'est un deck avec les cartes magie continue. Magie Dolce ou Fire Fist. Ça c'est contre Boudin ou Costele ou Photon à la limite. Boudin Prophétie. Mermel Sylvan. Madolchi Artifact et Darkward. Alors si je compare mon deck comparé aux autres qui ont fait top, enfin tous les autres mecs qui ont fait top, alors je joue que de Westo. Bah, parce que de Westo ça suffit amplement puisque rien qu'avec ça j'aurai déjà pas en première main. Et donc en gros si je perds combo avec le pot de dualité, ça permet en fait d'avoir un certain contrôle du terrain, ces cartes, puis commencer en fait son duel et voilà. Je joue 3 Vulcano et puis 3 Diplo. Contrairement aux autres qui en jouent 2, pourquoi j'en joue 3? Parce que au moins avec ça, je peux les mettre dans le deck. Et enfin, je peux les mettre dans le deck avec El Genero. Les gens ils veulent pas en fait avoir ces cartes en main, mais au final, avec ça, j'ai ramené dans le deck qui joue tous les Evolteal. C'est super qu'on voit. Et surtout ce deck, surtout ces monstres. En fait. Si on les joue que deux fois et que le duel devient trop long, il n'y a plus de target dans le deck. Donc avec forcément Najasho, ils auront en main, mais tous les héros au cimetière et rien d'autre. Merci. Puis en petite T-card, je joue Corne du Paradis, c'est pour sacrifier ça, pour ça, et une équipe tout seul. Ah, puis après j'ai pas pu jouer Exciton puisque j'en ai pas trouvé un pour prêter. Et j'ai pas non plus d'autres trucs pour l'extra. Voilà. Et je joue pas de 201 parce que 201 c'est trop et puis juste un seul ça suffit. Sinon après j'ai perdu au top 32 contre un artefact, non pas artefact, contre un traptic sur Fist, m'a défoncé. Sinon tout le reste j'ai gagné. C'est bon.